Les amis, je suis fatigué parce que je suis à mon septième enregistrement, septième essai où j'essaie de faire proc de compétences ultimes pour vous faire un petit gameplay, une petite découverte du personnage. Là, j'ai redémarré le jeu parce que j'ai crash. Je suis à mon sixième, septième essai, je suis en train de péter un câble. Je suis en train de péter un câble. Ok, du coup, je vous résume. J'ai invoqué sur les personnages. Vous avez vu que je les drop sur la deuxième multi. C'est cool, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Bandai. Merci WFS. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pas du tout ça qu'on veut parce que je veux vous montrer un gameplay du personnage. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Ok. Je monte pas trop le son, on sait jamais. Et on va aller sur le. Je me dis le 190K, mais il va vite crever. Je sens qu'il va vite crever, du coup. On va aller ici. Il faut que je switch dès le premier tour sur Sway pour pas que l'autre y perde de la vie. Du coup, je vais basculer Fizou avec Sway pour la défense. J'aurais dû faire ça avant d'ailleurs. Avant de commencer le combat, mais c'est pas grave. On va faire ça sur le deuxième tour. Et voilà les dégâts. Voilà, là, là, là. Désastre. C'est un désastre, ces dégâts. On va éviter d'utiliser les attaques de Sway. Waouh, waouh. On va faire un truc. On va faire un truc intelligent. On va faire ça. Parce que dans tous les cas, je pourrais pas proc. La compétence de. Le buff de Veldra et le buff de Limul. Du coup, on va faire en sorte de le monter à fond. De monter l'aspect de Limul. Et dès qu'il meurt. Faut que je fasse un autre truc aussi. On va garder cette team-là. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Ouais, oh les dégâts, s'il te plaît, frère. S'il te plaît. Et je peux rien utiliser, c'est cool. J'ai pas le choix. Faut que je fume les trucs. Ok, du coup, on va repasser en défense, double défense parce qu'il me défonce. Ok, maintenant, vu que j'ai la compétence de l'immune maxée. Faut qu'il crève. Faut que les trois crèvent. Ok. Là. Là, c'est bon. Là, j'aime. Ok. Normalement, je. Voilà. C'est ça que je voulais proc. Par contre, je vais pas pouvoir utiliser toutes les compétences malheureusement. En vrai, on va faire ça. C'est mieux.
N'oubliez pas que l'attaque de Veldra, c'est une attaque combinée, une attaque de groupe, une attaque AE. Du coup, on va faire ça. C'est parti pour les dégâts. Mais je pense que même lui, à lui seul, il va le buter. Pas mal, on avance petit à petit sur un bon point là. Ok, je voulais tester en conquête, mais ma team elle est beaucoup trop faible. Faut que je rentre la défense. La défense est là, là c'est pas incroyable, c'est pas incroyable. Mais voilà, c'était un petit test du perso qui permet de buff sa team, d'augmenter les dégâts des compétences ultimes et ça. J'achète, et ça j'achète énormément parce que pour faire des dégâts, davantage de dégâts, par exemple pour Gazelle, imaginons que je serais à 100% et que j'aurais tout utilisé sur le bon type, ben dites-vous que j'aurais dépassé les faciles 15K de dégâts, je pense. En sachant que mes équipements derrière ne sont pas maxés. Enfin, ne sont pas. Enfin, j'ai pas des équipements 4 étoiles ou quoi. Break limite 4 étoiles. Ben, malheureusement. Mais dans tout cas, c'était juste un test du personnage. Je vous fais découvrir pour voir, pour vous donner l'envie. Du coup, on résume. Le perso, c'est un bon buffer. On va dire que c'est un moyen DPS. Et que c'est un très très bon buffer des buffers. Mais par contre, il est super fragile. Le perso est super fragile. Sur ce, voilà les amis. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir. De peace et à la prochaine.